Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Le président syrien Bachar al-Assad a rassuré son homologue russe Vladimir Poutine sur le fait que son administration respecterait le cessez-le-feu programmé. L'accord a été conclu par Moscou et Washington et le cessez-le-feu commencera vendredi à minuit. Et aujourd'hui, la Chine déploie à l'extérieur dans différentes missions plus de 2000 soldats de la paix. C'est en 1964 que vous êtes venu la toute première fois en Chine. Vous faites donc partie de ces rares personnes à avoir vu le développement économique fulgurant du pays. Qu'est-ce qui a marqué votre attention à l'époque, Monsieur le Président? C'était une visite d'amitié. Nous avons été reçus avec beaucoup d'amitié, de chaleur. C'était quand même pas un moment comme les autres, vous voyez. Et nous poursuivons aux États-Unis où le président Barack Obama a prononcé son discours final sur l'état de l'Union après 7 années de présidence. La Journée mondiale de l'Afrique est organisée chaque année pour fêter la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Un jour de mémoire pour célébrer les progrès faits par le continent pour plus de paix, de stabilité. En 2008, l'attaquant international ivoirien Gervinho est capitaine de la sélection de son pays, qui participe aux Jeux Olympiques se déroulant à Beijing pour la première fois de son histoire. 8 ans plus tard, le jeune prodige n'aurait jamais imaginé signer pour un club chinois, le Hebei China Fortune. Si ça, la Chine fait partie de mon plan de carrière, donc c'est le destin qui m'a envoyé ici. Personnellement, c'est une nouvelle vie pour moi. Et peut-on savoir dans la foulée ce que vous proposez aux touristes chinois? Alors bien évidemment, c'est vrai que la Chine, avec ses 107 millions de voyageurs à travers le monde pour l'année 2014, représente un très très gros potentiel. À Paris maintenant, où les représentants de près de 200 pays s'activent dans les dernières négociations, des négociations qui permettront d'aboutir à un accord afin de limiter le réchauffement global. L'accord final devra être présenté vendredi prochain. Et alors, il existe une perception donc très négative de ce rapprochement entre la Chine et l'Afrique. Certains n'y voient qu'une exploitation de l'Afrique par la Chine. Que faut-il en penser? Alors écoutez, ceux qui profèrent ces accusations, qui ne sont pas nouvelles, n'ont-ils jamais eu d'intérêt économique à défendre? Et surtout, quelles sont les réponses que eux-mêmes, ces accusateurs, ont apportées pour répondre à leurs propres intérêts économiques? Je crois qu'il faut commencer par cela. Désormais, à l'affiche de dizaines de films de kung-fu, l'un de ses coups de cœur restera la série La Légende de Bruce Lee, où il a pour rôle le fidèle ami de Bruce Lee aux États-Unis, Jesse Glover. Beaucoup de personnes ne savent pas, le meilleur ami de Bruce Lee, c'était un noir. C'est lui, l'un des premiers élèves de Bruce Lee, qui a beaucoup aidé Bruce Lee quand Bruce Lee était arrivé aux États-Unis. The 21 years old, the French armor thrower Alexandre Tavernier made an amazing debut into the World Elite Athletic Circle. She earned a first appearance on the World Championship by earning a first medal bronze here in Beijing a few days ago. But before flying off to France, she's visiting the capital city to celebrate her first achievement. Et comme on dit au Bénin, lorsque la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau. Merci. J'aime le sport car il me donne plus de force et de discipline. Je tombe, je me relève et j'essaie encore. La force ne provient pas uniquement du physique, elle est aussi mentale et spirituelle. Le sport, c'est la vie.